source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel. De joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Si tu veux le bonheur, tu es à la bonne place. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On reprend une fois. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et comme Jésus est dans ton cœur, va sans crainte, sur le chemin va sans peur. Non, sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne serai rien. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais dérivé comme un bateau sans gouvernail. Jésus, le secret de mon frère ne le repousse pas. Oh Jésus, sans ton recours, je serai perdu. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh suis-le par la foi. Et maintenant saisis la
la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Sur la croix, oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, oh quel immense bonheur. Maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh, suis-le par la foi. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Lavé. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Je suis heureux car Jésus m'a changé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Changé. Je suis heureux car Jésus m'a changé. Changé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ.
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus, tu es tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. J'ai décidé de suivre Jésus. N'est-ce pas? Nous avons tous ceux qui sont ici en ce soir, nous avons tous décidé de suivre Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons le chanter. J'ai décidé de suivre le Seigneur. J'ai décidé de suivre le Seigneur. Suivre Jésus, point de retour, point de retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Tout près de lui, je resterai. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons tonner notre chantem. Cher, mon cœur, que le nom de Jésus.
Je vous invite à garder votre position. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ta bonté, ta fidélité. Tu es le grand Dieu, Père éternel, qui habite les lieux élevés dans le ciel. Tu nous as donné Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour te bénir et pour te louer. Et pour te dire de nous garder fidèles à toi, de nous attacher à toi par ton esprit. Bénis chacun de nous, tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui nous écoutent. Pose ta main guérissante de délivrance sur chacun de nous, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. À qui irions-nous? Toi, le Père qui délivre, délivre-nous de tous nos maux. Tourne ta face vers cette assemblée. Tourne ta face vers ce pays aussi, vers le prédicateur, et que ton esprit règne parmi nous. En Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci. Ce que j'ai, je te le donne. Oui. Amis, frères, sœurs, et vous qui êtes sur le live, nous, l'Église de la Boue, ce que nous avons, nous vous le donnons. Vous savez ce que nous avons? Jésus. Nous aimerions partager Jésus avec vous. Ceci, durant 2 semaines, avec midi, ce que j'ai, nous vous le donnons. Invitez vos amis. Partagez ce lien. Nous aimerions vous donner ce que nous avons de plus précieux, le nom de Jésus. Bienvenue à notre série de conférences « Ce que j'ai, je te le donne ». Que Dieu nous bénisse et qu'il jette un regard favorable sur chacun de nous. Bonne soirée sous le regard du Seigneur. Je vais vous laisser avec Nora, puis suivi d'un petit conseil de la santé avec Marilyn. Bonsoir à tous. Excusez-moi, ma voix est un petit peu cassée, donc je vais faire de mon mieux, d'accord? Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu pars et toutes mes craintes s'enfuient. Tu pars et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœur. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu pars et toutes mes craintes s'enfuient. Oui, tu pars s'accomplit et je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents
même la mer t'obéit quand tu pars. Oui, quand tu pars, lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit quand tu pars. Oui, quand tu pars, tu pars. Oui, quand tu pars, tu pars. Oui, quand tu pars. Bonsoir à tous. C'est le petit moment de santé. Alors, aujourd'hui, il a fait très chaud, n'est-ce pas? Et jusqu'à maintenant, nous avons chaud. Avez-vous bu durant la journée? Avez-vous bu suffisamment? Voilà. Alors, pendant les moments de santé, là, je vais vous parler des soins par l'eau. Ce soir, je vais vous donner quelques conseils en interne. Et mardi, vous aurez le reste en externe. Alors, pour la protection de ton cœur, bois suffisamment de l'eau. Elle protège des attaques cardiaques fatales. L'eau protège les artères coronaires. Boire suffisamment d'eau jour après jour protège du dessèchement des yeux. Permet de lutter contre l'hypotension orthostatique, qui veut dire interruption brusque du flot sanguin au niveau de la tête. Souvent, quand il fait chaud, nous avons mal à la tête, n'est-ce pas? C'est parce que nous n'avons pas bu suffisamment assez d'eau. Et comme j'ai à le dire, c'est comme le moteur d'une voiture. Il n'y a ni de l'eau qui a chauffé. Eh bien, c'est pareil pour le cerveau. Quand nous ne donnons pas le corps suffisamment la quantité d'eau qu'il faut, nous avons des problèmes de santé. Le corps humain est composé de 65 à 70% d'eau. Elle est une composante indispensable des tissus du corps. Elle est essentielle à toutes les procédures biologiques, physiologiques de la digestion, de l'absorption et de l'alimentation des déchets métaboliques non digestibles. Au bon fonctionnement de l'appareil circulatoire. L'eau est le véhicule transportant les nutriments et toutes les substances du corps. L'eau joue un rôle direct dans la conservation de la température. Une carence en eau affecte le fonctionnement des reins, empêche l'évacuation normale des reins. Une carence en eau affecte la conduite et le caractère des gens, car les premières cellules qui souffrent sont celles du cerveau. Il est composé de 85% d'eau. Une consommation intensive de soda, parce que quand il fait très chaud, nous avons tendance à vouloir boire du sucré, à vouloir boire un bon soda bien glacé, qui est très néfaste pour notre organisme. Car une canette de soda de 33 centilitres renferme 7 à 10 cuillerées à café ou de cuillère à soupe de sucre. Quand boire? Ne pas boire entre les repas. Il est conseillé de boire 30 minutes, une heure avant et 2 heures à 4 heures après. Comme il fait très chaud, tous, la plupart de nous, nous dormons dans la clim, n'est-ce pas? Quand vous dormez dans la clim, mettez un bol d'eau dans la chambre. Ça permet de humidifier la chambre parce que
Le foie de la clim est sec et ça dessèche au niveau des reins. Quand vous vous levez, pour ceux qui dorment dans la clim, buvez. Toutes les fois que vous levez pour uriner, buvez, parce que quand nous fonctionnons dans la clim, nous n'avons pas la sensation de soif. Je vous conseille aussi de toujours avoir avec vous une bouteille d'eau, parce qu'en ce moment, il fait très chaud. Bonne santé à tous. Alors, je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter le chantème. Pardonnez-moi, Jésus, le Sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur atterré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux. Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Super. Alors, content de vous voir et heureux de pouvoir entamer, eh bien, de débuter ensemble cette campagne d'évangélisation, cette campagne d'enseignement de la parole de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez ce qu'on va faire durant ces deux semaines? Moi, je parlerai peu en réalité. On va laisser la parole de Dieu parler à notre place. Voilà pourquoi vous devez avoir votre Bible avec vous. Et pour vous soulager, parce qu'on aura beaucoup de textes à lire, et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre ensemble la parole de Dieu et qu'on puisse découvrir ensemble. Alors, à l'accueil, il y a des Bibles comme la mienne. J'ai pu les numéroter les versets pour qu'on puisse gagner du temps. Donc, même si vous avez déjà votre Bible, si ce n'est pas la même que la mienne, vous pouvez demander à avoir la même que la mienne, comme ça on va. Alors, avant d'aller plus loin aussi, en dessous, donc juste à côté de moi, il y a des ouvrages. Donc, au cours des soirs, je vais vous partager, vous inviter à récupérer, donc gratuitement, sans argent, bien sûr. Des ouvrages, des livres, vous aurez le livre de choisir, parce que vous en avez déjà certainement chez vous, certains. Vous pouvez choisir d'être un ouvrage et faire de la lecture chez vous. Le message de la vie.
on sait de quoi on parle quand on parle de la parole de Dieu, de la Bible. Certains vont dire on parle de la Torah, d'autres vont dire on parle du Coran, d'autres diront qu'on parle en fait de la Bible, ce livre dans lequel il y a l'Ancien, donc la Torah, et le Nouveau Testament. La Bible, au niveau mondial, est révélée comme étant un best-seller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire en fait que c'est un livre. Et a été tiré à plus de 2 milliards d'exemplaires. En réalité, c'est plus que 2 milliards. Mais je pourrais être plus humble, on a dit 2 milliards. Et chaque année, il y a plus de 80 millions de Bibles qui sont produites dans le monde. Chaque année, plus de 80 millions de Bibles sont produites dans le monde. Imaginez-vous, en réalité, il y a presque une Bible pour chaque habitant. Il y a la revue française Lien qui a dit quelque chose dans les années 2000. Donc c'est le directeur de cette revue qui a déclaré cela. Il a dit, la Bible est le plus répandu, le plus traduit, le plus commenté de tous les livres à produire l'humanité pensante. Mais c'est étrange. Comment un livre peut avoir autant d'impact au niveau du monde? Beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire que la Bible est un livre qui a été créé de toutes pièces pour assujettir l'homme noir, pour assujettir l'homme qui culpabilise. Mais en réalité, est-ce que vous voyez vraiment que la Bible, ce livre, aurait eu autant d'impact si Dieu n'était pas avec, s'il n'y avait pas eu une influence divine, parcouru les siècles, parcouru les années, parcouru les guerres, parcouru les problèmes qu'il y a dans ce monde. Peu importe qui arrive, la Bible, elle est restée là. Et elle continue à rester là. Et chaque année, comme on l'a dit, 80 millions de Bibles, au moins, sont produites dans le monde. Ce succès mondial est d'autant plus important que la première, du moins que de la première à la dernière page de la Bible, a été écrite et s'est développé au milieu d'un peuple unique. La Bible appartient en réalité, quand on regarde bien la Genèse, au peuple d'Israël. D'accord? Au peuple juif, au peuple d'Israël. C'est là que sort cet ouvrage qui a impacté le monde d'alors. Comment un livre qui appartient, entre guillemets, on pourrait dire, à une culture, peut impacter toutes les cultures, toutes les nations? Parce qu'en réalité, ce livre, cette Bible, cette parole de Dieu n'a pas été prévue uniquement pour le peuple d'Israël seulement, mais ce peuple devait annoncer au monde entier ce que Dieu, le Créateur de toutes choses, notre Créateur, voulait nous révéler. Il fallait commencer quelque part. Donc Dieu a commencé par les Juifs, par le peuple d'Israël, pour que nous puissions aujourd'hui avoir cette révélation du message de Dieu dans la Bible. Si le message de Dieu est destiné à l'humanité entière, en réalité, il s'adresse avant tout à chaque homme, à chaque femme, individuellement. Même si ce soir je parle au nom de Dieu, je parle avec la Bible ouverte, ce message est d'abord pour toi qui as des oreilles pour entendre. Est-ce que tu as une Bible chez toi? Est-ce que la Bible prend la poussière? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce qu'elle est usée? La Bible, Dieu nous l'a confiée parce qu'il veut nous parler. Il veut se révéler à nous. Nous devons l'ouvrir et l'étudier. Ça, on le sait déjà. Mais est-ce qu'on le fait? On le sait déjà, mais est-ce qu'on le fait? Beaucoup de gens aiment parler sans connaître. En gros, parler de choses, juger des choses, sans savoir réellement ce qui est dit de la chose. Beaucoup de gens parlent de Dieu, parlent de la Bible, sans jamais l'avoir lu. Certains vont dire, « Ah, ne lis pas ça, tu vas devenir fou. » Laisse ça pour ceux qui ont fait bac plus sec, pour ceux qui sont grands patrons,
Laisse ça pour les gens qui parlent bien français. Tu ne vas rien comprendre. Ce n'est pas pour toi. Excusez-moi. Dieu nous a dit, et Dieu le répète encore, ce livre a été fait pour chaque homme. Peu importe ton niveau de langage, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe comment tu t'estimes ou pas, quand tu prends ce livre-là, quand tu l'ouvres, tu peux être sûr que Dieu t'accompagnera dans la lecture de celui-ci et que Dieu te révélera ce qui est caché. Vous savez, quand on lit la Bible, c'est écrit en français. On peut comprendre ce qui est écrit. Et maintenant, ce qui fait la différence, c'est que Dieu accompagne celui qui lit pour que ce qui est lu en français prenne une dimension spirituelle et cela change ma vie, change de vision, change ta vision, change ton cœur. C'est la puissance de Dieu qui agit quand on vient lire la parole de Dieu. Alors, comprenons la Bible, oui, on l'a compris, c'est un livre populaire, un livre universel, un livre que Dieu a confié à un peuple en particulier, mais qui devait nous revenir à tous qui sommes sur cette terre. Et Dieu veut qu'on puisse l'ouvrir ensemble. Et vous savez, une chose aussi qui est forte dans ce livre-là, parce qu'il fut apporté pour notre instruction, à travers les phrases même qui sont inscrites dans ce livre, à travers les leçons, à travers les versets, à travers la morale, à travers le peuple d'Israël qui a vécu des choses extraordinaires, Dieu voudrait nous révéler son caractère. Le monde qui paraît hypocrite en disant « ne lisez pas la Bible, laissez ça tomber, pensez par vous-même, Dieu n'existe pas », ce monde qui dit cela, en réalité, a été régi par la moralité, par les lois de la parole de Dieu. Les juges, lorsqu'on est au niveau des tribunaux, mais c'est la Bible qui a instauré les juges. La justice faite, quand on va au tribunal, pour ceux qui, bon, ils sont déjà allés, j'espère pas pour des mauvaises raisons, mais quand on y va, il y a une Bible et on doit jurer. Ce même monde qui dit la Bible ne sert à rien, soyez athées, croyez en vous-même uniquement, dans la plus grosse instance de justice, pour choisir ce qui est bien et ce qui est mal, la Bible est posée quelque part et il faut jurer par elle. Il y a un problème. L'hypocrisie du monde. Ce même monde qui a mis des lois en place pour dire, si tu tues, tu iras en prison. Mais ça sort d'où ça, tu ne tueras point. De la parole de Dieu. Ce même monde qui inculque à ses enfants de ne pas mentir. Mais d'où vient, tu ne mentiras point. De la parole de Dieu. Ce même monde qui vient condamner l'infidélité, qui prône le mariage. Mais d'où tout cela sort? De la parole de Dieu. Et toutes les fois où le monde vient contre la parole de Dieu, maintenant commence à naître quoi? L'immoralité sexuelle, l'immoralité, quoi encore, de l'argent. Toutes sortes de vices commencent à naître lorsque l'humanité, lorsque les sociétés, lorsque le monde se détourne de la parole de Dieu. Est-ce que je dois prendre des exemples? Pas la peine, on voit les infos, on regarde autour de nous, on comprend de quoi je parle. La parole de Dieu a influencé le monde parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu voudrait nous, que nous puissions aussi comprendre cela et le prendre pleinement. Alors, aussi bien, avec quel empressement chacun de nous ne devrait-il pas chercher à découvrir le message que Dieu a pour lui dans ce livre? Alors, il est écrit, c'est écrit « Ouvrons la Bible ». On va commencer ensemble. Donc, montrez-moi avec vos mains, s'il vous plaît, que vous êtes équipés. Je vais voir une main qui n'est pas levée. Il y a un petit problème. D'accord. OK, on est équipé. Super. D'après Jésus, où se trouve la source de la vérité? Donc Jésus, bien sûr, je vous le présente, un homme encore historique. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Donc lui aussi, il a impacté le monde. Parce que partout dans le monde, on est en 2024 après qui? D'accord. Et certaines personnes, encore une fois, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas de quoi elles parlent, vont dire « Jésus n'a pas existé ». Je ne suis pas d'accord. Bon, c'est normal. Mais Jésus a existé, c'est sûr. L'histoire nous le témoigne. On peut douter que Jésus est Dieu. On peut douter que Jésus soit quelqu'un de stable mentalement.
Mais de dire que Jésus n'a pas existé, non. L'histoire nous le témoigne. Qui a vu la Seconde Guerre mondiale? Qui a vécu la Seconde Guerre mondiale? Ça existait alors? Non, ça n'a pas existé. Non. Pourquoi on peut dire que ça existait? Parce que l'histoire nous le... D'accord. Jésus, l'histoire nous le témoigne aussi. Maintenant, au cours de la semaine, au cours des semaines, des jours, on va voir ensemble maintenant qui était Jésus. Mais ce soir, juste une chose, ce Jésus a dit quelque chose. Il a révélé où se trouvait la source de la vérité. Pas d'une vérité, hein? Pas de quelques vérités, mais de la vérité. Alors, en bas, vous voyez, c'est écrit à la page 1086, pour ceux qui ont la même Bible que moi. Sinon, c'est dans Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Ou la page 1086. Oui, dites-moi. Oui, pas de souci. Oui, dites-moi. D'accord. D'accord. Alors, j'ai dit justement qu'on se questionne sur... On se questionne. Alors, la question qui était posée, je vais la reformuler, elle me demande, je viens de dire que Jésus peut être Dieu. Justement, je lui ai dit que beaucoup de personnes se posent des questions sur qui est Jésus. Alors, justement, ma question, c'est qui est Dieu? Mais, venez tous les soirs. Parce que ce soir, en réalité... Oui, et on parle de Dieu. Donc, qui est qui? Est-ce que Dieu est Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? Bien sûr. D'accord. C'est un bon raisonnement. Logiquement, ce n'est pas possible. Et justement, au cours des soirs, on va venir ouvrir la parole de Dieu et on va voir ce que la Bible dit sur cela. Parce qu'en réalité, je peux parler, dire plein de choses, mais ce qui renforce notre foi, c'est ce qui est écrit là-dedans. C'est pour cela que je l'ai dit au départ, la Bible parlera plus que moi je ne parlerai. Donc ensemble, nous allons découvrir les versets au cours des soirs, si vous venez, et nous allons dire, ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Donc, dans Jean 17, verset 17, lisons ensemble, il est dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, le mot sanctifier veut dire rendre saint ou mettre à part pour un usage qui est saint. Donc, Jésus dit, sanctifie-les, donc rends-les saints ou mets-les à part par ta vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Ta parole, papa, ta parole, Seigneur, ta parole, mon Père, Dieu, ta parole est la vérité. Dans le monde où on est, encore une fois, nous remettons tout en question parce qu'il nous faut, on ne veut pas se faire balader. On n'aime pas le mensonge. On veut être sûr, certain. Il y a beaucoup de théories, mais les théories ne veulent pas dire que c'est la vérité. Ça veut dire que c'est possible, c'est une hypothèse. Mais là, il est dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. On peut l'apprendre et on peut avoir l'assurance que ce qui est dit là-dedans, ce que Dieu a révélé, c'est la vérité. Pas une vérité, parce qu'encore une fois, on peut dire, oui, mais ça dépend sur quel angle tu regardes. Celui qui est en face, qui voit un 6 à terre, dit que c'est un 6. Celui qui est à l'opposé, voit que c'est un 9. Et on dit, mais c'est ta vérité. Non, c'est ma vérité. Non, Dieu qui voit du haut des cieux dit non, c'est la vérité. Celui qui a écrit le 6 ou le 9 te dira, tu vois à l'envers, viens à l'endroit. C'est en réalité un 9. Dieu est celui qui tranche. Lorsque nous, on babille entre nous pour savoir qu'est-ce que c'est quoi la vérité, Dieu lui dit, stop, c'est moi qui suis à l'origine de toutes choses. Voici ce que j'avais prévu, voici la vérité. Donc, ok, poursuivons ensemble. Comment Dieu a-t-il communiqué alors les révélations de la Bible, qu'on appelle vérité, à ses prophètes? Parce qu'on ne cache rien du tout, on le sait très bien. La Bible est un livre qui a été écrit par des hommes. Mais maintenant, des hommes sous quelle inspiration? D'eux-mêmes, intellectuellement, ce sont des philosophes qui ont pensé, qui ont écrit comme Platon, comme d'autres philosophes qui ont écrit beaucoup de choses. Non, d'où vient leur inspiration? 2 Pierre 1, versets 20 et 21, à la page 1240.
Alors, la page 1240, 2 Pierre 1, versets 20 et 21. J'ai fait la lecture. Il est dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, donc aucun oracle, aucune parole de ce qui va arriver après, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas à nous de dire, voilà ce que la prophétie veut dire. Parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Donc Dieu peut nous révéler ce qu'il a voulu dire. Je reprends par rapport à l'exemple du 6 et du 9. Celui qui a écrit le 6 ou le 9 pour te dire, non, j'ai voulu écrire un 6 ou un 9. Ce n'est pas à moi de dire ce que Dieu a voulu écrire. Donc il est dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet à interprétation particulière. Verset 21, pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même, que des hommes ont pris la plume, que des hommes se sont mis à écrire pour raconter, pour nous raconter aujourd'hui ce que Dieu voulait que nous puissions connaître. Donc, Dieu a révélé, donc c'est par le Saint-Esprit, par des révélations, par sa volonté, que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Maintenant, jusqu'à quel point la Bible est-elle inspirée de Dieu? Parce que là encore, on pourrait dire, OK, mais je crois qu'il y a certains livres qui ont été un peu traficotés. Je crois en la Genèse, mais l'Apocalypse, ça c'est un livre, excuse-moi, je crois que des hommes ont mis la main dedans. Ou alors, que le livre de, quoi comme exemple? Les évangiles, voilà, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fait, ce sont des livres que des hommes ont écrits d'eux-mêmes. Ils ont raconté leur vie avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a inspirés. Jusqu'à quel point la Bible est-elle inspirée de Dieu? 2 Timothée 3, verset 16, à la page 1212. À la page 1212. 2 Timothée 3, verset 16. Il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout ce que Dieu a inspiré aux prophètes, aux apôtres, à ses disciples, pour que nous puissions l'avoir aujourd'hui dans ce format qu'on appelle Bible, tous ces livres, tous ces écrits, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et a pour projet de faire quoi? De nous enseigner. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. On ne sait pas comment Dieu fonctionne. On ne sait pas comment Dieu pense. C'est là pour nous enseigner comment Dieu est. Ensuite de cela, il est dit quoi encore? Pour nous convaincre, parce qu'on est sceptique. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Donc on est vigilant et l'Écriture nous est donnée pour pouvoir nous convaincre que ce que Dieu dit est vrai. Pour corriger aussi. Lorsqu'on pense des fois de grands sachants, de grandes personnes pensantes, des fois, on pense mal, malgré nous. On fait du tort, on fait des erreurs. La parole de Dieu nous a été donnée pour pouvoir nous corriger, nous dire non, là, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Quoi encore, qu'avons-nous vu? Pour aussi nous instruire dans la justice, pour pouvoir nous instruire dans le bon, nous instruire dans ce qui est vrai, dans ce que Dieu aime. Donc, Dieu nous a donné sa parole de la Genèse à l'Apocalypse pour pouvoir nous enseigner, nous instruire, nous corriger, pour nous faire du bien, en gros. Poursuivons ensemble. À quelle partie de l'Écriture Jésus fit-il appel pour enseigner ce qui le concernait? Alors, cette question est importante. Pourquoi? La question n'est pas importante, mais c'est la réponse qui nous intéresse. Pourquoi cette question? Il y a dans la Bible deux testaments. On appelle dans ce testament, donc la Torah, de Genèse à Malachie, je crois, c'est ça même. Puis il y a le Nouveau Testament qui est, donc on appelle l'Évangile, hein, le Nouveau Testament du moins, qui est de Matthieu jusqu'à Apocalypse.
Donc la Bible est séparée, on va dire, en deux parties. Une partie sous les prophètes et une autre partie sous les disciples ou les apôtres. Certaines personnes dans le monde chrétien aujourd'hui vont prendre uniquement quoi? Le Nouveau Testament, en disant que l'Ancien Testament ne compte plus, n'a plus de valeur. Mais il faut savoir, chers amis, que le Nouveau Testament parle de l'Ancien Testament. Il faut savoir que le Nouveau Testament ne supprime pas la Genèse, ne supprime pas Ésaïe, ne supprime pas Proverbe, ne supprime aucun livre de l'Ancien Testament. Au contraire, toutes les vérités qui en sortent prennent pour base l'Ancien Testament. Car si ce qu'ils disent ou disaient n'était pas écrit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, ce qu'ils disaient était faux. Lisons ensemble Luc 24, verset 44. Donc, à la page 1059. À la page 1059. Donc, la question qui était posée, c'est à quelle partie de l'Écriture Jésus fit-il appel pour enseigner ce qui le concernait? Car Jésus est réputé par l'histoire dans la Bible pour aller parler, prêcher. Il parlait au peuple, il parlait aux personnes dans les synagogues. Il aimait enseigner. Donc, dans ces moments d'enseignement, dans Luc 24, verset 44, il est écrit ceci. « Puis il leur dit, donc Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, il dit, « Regardez tout ce que je vous ai dit, raconté de moi, de s'accomplir, et regardez où? Dans l'Ancien Testament. Parce qu'au moment où ces personnes parlaient, au moment où le Nouveau Testament était rédigé, la seule écriture qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Alors, chers amis, si vous voyez quelqu'un qui vous dit « Laisse l'Ancien Testament, aura que le Nouveau », non, c'est pas biblique. Au contraire, on me dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, on l'a vu, est inspiré de Dieu et utile pour moi. Alors, je ne rejette aucun livre, aucun verset. Au contraire, je dois tous les mettre ensemble pour comprendre ce que Dieu veut me dire. Une astuce, car je l'ai dit tout à l'heure là, on ne peut pas interpréter soi-même les Écritures. Comment faire? Tu prends un verset qui parle, par exemple, de la mort. Ce qui parle de la mort, tu te dois aussi de regarder quel autre verset qui parle de la mort. Et en cherchant les versets qui parlent de la mort, tu regardes ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Tu ne peux pas prendre un verset et dire c'est la vérité, ça. Parce que des fois, il y a des nuances, il y a des personnes qui ont parlé d'une certaine manière, mais tout ce qu'ils ont dit ensemble dans la Bible vont dans la même direction. Donc, pour ne pas interpréter toi-même, il te faut prendre ensemble ce qui est dit sur tel sujet et en fonction de ce qui est dit, prendre du recul, et en faire une conclusion, et tu pourras dire, j'ai la vérité. Ou alors, je peux comprendre humblement ce que Dieu a voulu me dire. On est ensemble toujours? D'accord, bon, c'est timide, il n'y a pas de souci. À qui l'Écriture tout entière rend-elle témoignage? En gros, ok, on a la Bible, Dieu a parlé, pas de souci, mais la Bible, c'est quoi le but de la Bible? C'est quoi l'objectif de la Bible? C'est de nous parler de quoi? Nous parler de Dieu, d'accord? Nous parler d'amour, nous parler de Satan, nous parler de... Mais de quoi? C'est quoi le message principal de la parole de Dieu? Lisons ensemble Jean 5, verset 39, à la page 1067. À la page 1067, juste à côté. Hein? Jean 5, verset 39. Donc, Jésus parle encore et il parle à ceux qui l'écoutent et il leur dit quelque chose de fort. Il leur dit, vous sondez les Écritures, donc vous lisez la parole, vous cherchez dans la parole, d'accord? Parce que vous pensez avoir en elle quoi? La vie éternelle. Mais il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit aux personnes de son époque, vous lisez la Genèse, vous lisez tous les livres de la Torah. Parce que vous voulez avoir quoi? La vie éternelle. C'est extraordinaire. Mais il leur dit, mais excusez-moi, en réalité,
Tous ces livres parlent de qui? Parlent de moi, parlent de Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est qui est Jésus. Quel est son rôle? Pourquoi cet homme? Était-ce réellement qu'un homme? Il veut qu'on comprenne, de la Genèse à l'Apocalypse, qui est Jésus. Si ce soir, vous voulez ouvrir la Bible pour avoir la vie éternelle, en réalité, ce que Dieu veut que vous ayez, c'est Jésus-Christ. Tu peux traduire ça comme tu veux. Oui, mais je veux le pardon, je veux plein de choses, je veux me réconcilier avec Dieu. Oui, mais ce que Dieu veut pour que tu puisses atteindre tout ça, c'est Jésus-Christ. Alors, ouvre la Bible et laisse Jésus-Christ être révélé par son Père. Laisse l'Esprit Saint, celui qui a inspiré les prophètes de l'époque, les disciples, à écrire la vérité, à écrire ce livre. Laisse Dieu te conduire à Jésus-Christ. Laisse Dieu te conduire à comprendre qui était cette personne. C'est tellement important. Poursuivons. Maintenant, c'est un livre de la vérité, mais c'est aussi un livre où il racontait beaucoup de choses. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est les proverbes. Comme le mot l'indique, ce sont des proverbes. En gros, des phrases de sagesse. Des paroles qui t'invitent à être prudent, à être intelligent. Il y a les psaumes qui sont des poèmes ou des chants. Ceux qui aiment la poésie, quand ils vont dans les psaumes, ils sont rassasiés. Il y a aussi d'autres livres, la Genèse, d'accord, l'Exode, etc. sont des livres qui nous retracent l'histoire du peuple de Dieu et nous révèlent aussi comment Dieu agissait à ce moment-là. Donc, plein de choses dans la parole de Dieu. Sans oublier, mais sur l'Apocalypse, qui est un livre où on aurait dit que c'est un livre fantastique. Un livre où on voit des bêtes qui sortent de ceci, de cela, on voit des anges qui descendent avec des épées, où on voit qu'on voit des quatre vents, on ne comprend rien. Mais c'est un livre, en réalité, qui est appelé Apocalypse, qui veut dire révélation. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse comprendre ce qui est caché dans tous ces symboles. Et la Bible entière révèle ce que Dieu a caché dans l'Apocalypse. Donc, les expériences des personnages de la Bible furent rapportées dans quel but? Pourquoi il y a tant de diversité? Pourquoi il y a tant d'histoires? Pourquoi le livre, du moins pourquoi les apôtres et les prophètes ont écrit autant de choses? Un livre n'a pas suffi? Un témoignage n'a pas suffi? Pourquoi tant de choses? Lisons ensemble 1 Corinthiens 10, verset 11, à la page 1159. À la page 1159, 1 Corinthiens 10 et le verset 11. Nous y sommes. La question, les expériences de la Bible, des personnages de la Bible furent rapportées dans quel projet, dans quel but? Donc 1 Corinthiens 10 au verset 11, il est dit ceci. Ces choses leur sont arrivées, donc au peuple d'Israël, pour servir quoi? D'exemple. Et elles ont été écrites pour quoi? Pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dieu a insisté, Dieu a voulu que nous puissions avoir tous ces témoignages, toutes ces histoires. On peut les citer, hein, d'accord? Adam et Ève, Moïse, et Noé, Joseph, Abraham, le monde même nous raconte les histoires, malin, dans les films qui sont montrés aujourd'hui. Exodus, Noé, etc. Mais Dieu a voulu que ces histoires nous soient communiquées, nous soient rapportées pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse prendre ces histoires comme exemple, qu'on puisse voir comment ce peuple, quelle a été l'erreur du peuple, ou alors quelles ont été aussi les bonnes actions du peuple. Comment Dieu a accompagné dans la fidélité et comment Dieu a accompagné aussi lorsque le peuple était infidèle pour que nous puissions dire, « Oh, oui, Seigneur, en fait, tu es Dieu qui aime. Même quand on est infidèle, tu viens nous relever. Ok, Seigneur, tu es Dieu aussi qui ne joue pas. » Quand tu dis, eh bien, c'est ça. En gros, ces histoires sont là pour nous révéler qui est Dieu encore une fois. Et si on a bien compris
dans Jean 5, verset 39, ces histoires aussi nous parlent de Jésus. Avançons ensemble. Que pouvons-nous posséder grâce à l'étude de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut obtenir lorsqu'on étudie la parole de Dieu? Lisons ensemble Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. À la page 1147. À la page 1147. Romains 15, verset 4. Donc, que pouvons-nous obtenir grâce à l'étude des Écritures? Il est dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Encore une fois, on confirme que Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous instruire. Il est dit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? L'espérance. Le but de Dieu est que lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on découvre Jésus-Christ dans la Bible, lorsqu'on découvre la vérité, que cela produise en nous de la patience. Parce que le monde est compliqué. Lorsqu'on est dans un problème, on n'est pas patient. Lorsqu'il fait chaud, on n'est pas patient. On est agité lorsqu'on est dans des problèmes. Mais là, en étudiant la parole de Dieu, je découvre un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui a fait des promesses. Un Dieu qui s'engage, un Dieu qui ne reste pas loin, un Dieu de proximité. Et dans mon problème, j'attends ce Dieu-là. Dans mon problème, dans ma vie, j'ose être patient. Parce que je sais que celui qui a inspiré ce livre a dit la vérité. Et cette patience va me pousser à faire quoi? À quelle expérience? La consolation. Parce que Dieu qui est fidèle va venir me consoler. Dieu qui est fidèle, Dieu qui n'a pas voulu que l'homme reste loin de lui, je vais sentir une main visible caresser mon dos. Je vais sentir une main visible me relever de ma tribulation, m'accompagner dans mes peines, m'accompagner dans mes joies aussi. Je vais expérimenter une consolation comme jamais auparavant. Et ce n'est pas fini. Il est dit quoi encore? On continue toujours Romains 15, verset 4. La patience, la consolation. Ensuite, que donnent les Écritures, pour que nous possédions quoi? L'espérance. L'espoir est un autre mot pour dire la foi, pour dire la confiance. Et encore une fois, j'aime bien cette phrase. L'espoir, quand on dit, phrase populaire, l'espoir fait quoi? Fait vivre. Mais l'espoir en Dieu donne la vie éternelle. Si l'espoir dans le monde, l'espoir du monde fait vivre, l'espoir que donne Dieu, lui, il donne la vie éternelle, chers amis. L'espoir que donne Dieu est extraordinaire. Et Dieu voudrait que par l'étude de la parole, par la confiance en ce qu'il a révélé, que nous la possédions, cet espoir, cette espérance. Et que nous puissions dire aux autres, aïe, 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 j'ai expérimenté quelque chose, la patience, la consolation, et aujourd'hui j'espère en Dieu. Et aujourd'hui je crois en Dieu. Je crois en ce qui a été dit dans ce livre-là. L'as-tu lu? Veux-tu le lire avec moi? Et vous allez reprendre humblement ce qu'il est écrit là. Parce qu'encore une fois, regardez bien, je commente, mais je ne transforme rien du tout. Ce qui est écrit, nous le lisons, nous le comprenons ensemble. Et j'atteste juste par ma passion. Parce que ce qui est écrit, je l'ai expérimenté, je le crois. Et voilà pourquoi vous avez été invités ce soir. Ceux qui vous ont invités ont expérimenté aussi et le croient aussi. Ils ont vu comment cela leur a fait du bien malgré leurs faiblesses. Parce que personne ici n'est parfait. Hein? Malgré les combats qu'ils mènent, ils ont voulu vous inviter parce qu'ils ont la conviction que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. S'il le fait pour moi, si je sais que je serai sauvé, si je sais que Dieu m'aime, toi qui doutes, je veux que tu le saches aussi. Alors viens écouter la parole de Dieu. À quoi l'apôtre Pierre compare-t-il la Bible? Lisons ensemble 2 Pierre 1, verset 19. La Bible est comparée à quelque chose. 2 Pierre 1, verset 19, à la page 1240. Donc toujours juste à côté, on monte.
1240, 2 Pierre 1, verset 19. OK, nous y sommes. Il est dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, donc la parole de Dieu, à laquelle vous faites bien de prêter quoi? Attention, à laquelle vous écoutez, à laquelle vous êtes en train de réfléchir. Vous faites bien de prêter attention à celle-ci. Il est dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient éclairés. Vous savez, lorsque on nous a menti toute notre vie, je parle pas forcément pour vous, mais quelqu'un qui a eu une vie de mensonge, on lui a dit qu'il était la pire personne au monde. On lui a dit, je prends un exemple simple. J'ai entendu cette histoire, c'est un jeune homme, il était petit, c'était un enfant, et sa mère a été tuée ou elle est morte, d'une certaine manière. Cet enfant, son père lui a dit, c'est toi qui as tué ta mère. Cet enfant a grandi avec la culpabilité de meurtrier. Et on voit quand il grandit qu'il est courbé, qu'il n'est pas épanoui. Il est sombre, il est fade. Il n'a pas d'amis. Il est dans un coin et il se fait du mal. Il se scarifie. Il fait des cauchemars. Jusqu'au jour où la police est venue arrêter son père car c'était lui qui avait tué sa mère. Quand la vérité a éclaté, imaginez le cœur de ce garçon. Imaginez le changement de vie de ce garçon. Toute sa vie, il pense qu'il est le meurtrier. Toute sa vie, il pense qu'il est coupable. Toute sa vie, il se frappe lui-même. Il se fustige, il se mutile, il se fait du mal. Et là, quelqu'un vient lui dire, et quand on a dit ton père, je ne sais pas si sa tante ou la policière est venue le voir pour lui dire, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Les sanglots. Ce garçon s'est redressé pour la première fois de sa vie. Il a respiré pour la première fois de sa vie, un air sans culpabilité. Il a regardé les couleurs du monde. La première fois de sa vie, il a apprécié le rouge. Il a pu être joyeux. Lorsque Dieu nous révèle la vérité sur qui nous sommes, sur qui il est, sur ce que le monde est en réalité, nous faisons la même expérience. Nous nous rendons compte que vivre sans Dieu est une anomalie. Nous nous rendons compte que nous avons été en fait kidnappés, séparés de notre Dieu, de notre Père, de celui qui nous aime d'un amour éternel et que nous aimons en réalité. Nous avons grandi sans le connaître. Et la Bible nous révèle que ce Dieu avec qui on était séparés court pour venir nous chercher et il nous a récupérés. Le cœur respire. La lumière, le cœur enténébré que nous avions, laisse place maintenant à une lumière qui jaillit. Et la vie ne sera plus jamais pareille. Ce garçon n'a plus jamais vécu sa vie pareille. Celui qui reçoit la parole de Dieu comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, ne vit plus jamais pareil. Pas pour le pire, au contraire, pour le meilleur. En lisant la Bible, on n'est pas plus méchant, au contraire, on devient plus gentil. En lisant la Bible, on n'est pas plus violent, au contraire, on est plus doux. En lisant la Bible, on s'ennoblit. On devient comme Dieu. On tend vers le caractère de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Si tu lis ta Bible et que tu deviens plus méchant, change de Bible. Voilà, on n'a rien compris, il y a un petit problème. Mais si tu lis ta Bible et que tu vois qu'il y a une puissance qui essaie de changer quelque chose en toi, pour le bien, laisse, c'est Dieu qui agit. Et n'aie pas peur, tu verras que mentir ne fait pas de mal. Du moins, ne plus mentir ne fait plus de mal. Tu verras que ne plus être violent
n'est pas mauvais en soi. Au contraire, tu vas enfin pouvoir respirer un nouvel air. Que devons-nous faire maintenant alors de la parole de Dieu, de la Bible? Une fois qu'on a compris cela, on sait ce que Dieu veut, on comprend le projet qu'il y a derrière tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Sans lire le verset, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? On doit la mettre en pratique. On doit, avant la mettre en pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'étudier. On doit la lire. On doit venir dès que ce soir, dès qu'on a fini là, on doit dire, Seigneur mon Dieu, quel livre je vais lire? Il y a 66 livres en tout. Qu'est-ce que je vais lire? Et on ouvre, on dit, allez, lisons les psaumes. Et avec l'aide de Dieu, on lit les psaumes et on dit, waouh, Seigneur, mais quel amour, waouh, Seigneur, continue à te révéler, waouh, continue, Seigneur. Jusqu'au jour où le waouh devient, oh, mais on est face à Dieu. Où le waouh fait que, oh, mais finalement, Seigneur mon Dieu, mais je suis réconcilié avec toi. Lisons la parole de Dieu ensemble. Lisons à la page 1116, acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. La page 1116. Il a dit, ces Juifs, donc le contexte, les apôtres sont en train de prêcher l'Évangile. Ils enseignent l'Évangile, comme Jésus le faisait, à des personnes. Et là, en l'occurrence, à des Juifs. Il est dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et qu'est-ce qu'ils furent? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand ils ont entendu l'amour de Dieu pour eux, quand ils ont entendu ce que Christ a fait à la croix, ils ont regardé dans les Écritures pour voir ce que les apôtres disaient était réellement écrit. Et ils ont dit, waouh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, waouh, je continue à étudier, waouh, c'est vrai. Et si c'est vrai, je le crois. Et comme tu crois, eh bien, Dieu te fait vivre alors sa présence. L'étude des Écritures rend comment? On va accélérer un peu. Dans 2 Timothée 3, verset 15, nous arrivons presque à la fin. Il reste deux versets. Quatre versets plutôt. 2 Timothée 3, verset 15, à la page 1212. 2 Timothée 3, verset 15. Donc la question, je le rappelle, l'étude des Écritures rend comment? Il est dit, dès ton enfance, donc réglé par la Timothée, dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres, donc la Bible, qui peuvent te rendre comment? Sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit à Timothée, tu as grandi avec la Bible, tu as étudié, tu as pu comprendre les Écritures. De sorte que tu puisses devenir sage à salut. Ce mot sage, cette phrase sage à salut veut dire que tu es devenu intelligent pour être sauvé. Tu as eu toutes les armes pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, pour ne pas mourir, pour vivre enfin la vraie vie. Dieu s'est révélé à toi, en gros. Donc, en lisant les Écritures, en l'étudiant plutôt, on peut devenir sage à salut. Mais par quoi? On nous dit par la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus-Christ est dedans. Encore une fois, on nous parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, et on va le voir plus tard, c'est le chemin qui nous mène à Dieu. C'est la vérité et c'est la vie que Dieu nous offre. Donc, si je crois en Jésus-Christ, si j'espère en lui, il m'a dit, tu as été rendu sage à salut. Quel conseil est-il donné pour que l'homme puisse se présenter dignement devant Dieu? De Timothée 2, verset 15, donc juste à côté. De Timothée 2, verset 15, il est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui
qui dispense droitement la parole de la vérité. En gros, si tu veux te présenter devant Dieu sans avoir honte, sans avoir peur, Dieu te dit, sois un homme, sois une femme éprouvée. Laisse cette parole qui a été présentée faire son travail dans ta vie. Laisse cette parole que tu as reçue te corriger, comme on l'a vu au départ, t'instruire dans la justice, te montrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Et surtout, que cette parole que tu as reçue, tu puisses la partager aussi aux autres. Ça t'a fait du bien. Alors viens devant Dieu sans avoir honte, parce que sa parole habite en toi. Sa parole a fait son œuvre dans ta vie. Dans quel but sommes-nous exhortés à étudier la parole de Dieu? On l'a lu tout à l'heure là, on va le revoir, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Parce que le but, c'est au verset 17, hein, ce que Dieu souhaite par-dessus toutes choses. Il est dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, on l'a vu ensemble, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour quelle raison? Afin que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu, que celui qui écoute la parole, qui la reçoit, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Le mot « accompli » est fort. Ça veut dire quoi ça, « soit accompli » ? Soit fini, soit voilà, ayez atteint le but. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore accompli. Aujourd'hui, nous sommes en cheminement. Aujourd'hui, on découvre. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions devenir des hommes et des femmes accomplis. Et ce moyen qu'il a choisi, c'est l'étude de la parole, de sa parole. C'est l'action de sa parole dans notre vie. Parce qu'elle va nous mettre sur un chemin de paix. Elle va nous retirer dans l'erreur pour nous mettre dans la vérité. Nous retirer dans les ténèbres pour nous mettre dans la lumière. Nous retirer de la mort pour nous mettre dans la vie. Nous retirer de la colère pour nous mettre dans la paix. Nous retirer sous les griffes de Satan et nous mettre dans les bras de Jésus-Christ. Comment la Bible nous aide-t-elle alors à marcher dans les voies de Dieu? C'est notre dernier verset. Lisons ensemble le psaume 119, au verset 105, à la page 624, à la page 624. Le psaume 119, verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. » Si tu veux savoir comment marcher dans les voies de Dieu, sur le chemin que Dieu a donné à l'humanité, il te dit que cette parole que tu as reçue, que tu as entendue, que tu as dans tes mains, dans ce livre, aussi simple qu'il soit, étudie ce livre. Prends ces versets, serre-les dans ton cœur. Limite, prends la Bible comme une torche et éclaire ton chemin. Et marche, marche à la lumière des révélations de ce livre. Et tu verras que tu resteras dans mes voies. Tu resteras sur mon chemin. Tu resteras dans la paix. Et je sais bien que ce que le monde cherche, c'est la paix. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, c'est quelqu'un qui est emprisonné tous les jours. Il se fuit lui-même. Mais si tu as la parole de Dieu, tu as le chemin de la paix. Et pas la paix comme le monde donne la paix, mais la paix que seul Dieu peut donner. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Pour finir, je vous invite à écrire ce verset et à le lire chez vous. Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Donc, c'est Jésus qui a été soumis à trois tentations. L'histoire est la suivante. Jésus, le Fils de Dieu, avant de commencer son ministère, donc avant de commencer d'aller prêcher et d'annoncer le message que Dieu lui a donné, il a pris le baptême. Parce qu'il a voulu montrer à ceux qui allaient l'écouter, à ceux qui le suivent, ce qui est juste. Ce que tout homme doit faire, c'est de rentrer dans les eaux du baptême pour pouvoir naître de nouveau. Donc Jésus est entré dans les eaux du baptême pour montrer l'exemple. Et lorsqu'il est entré dans les eaux du baptême, il est ressorti. On nous dit que l'Esprit de Dieu s'est manifesté par une colombe. Et Dieu a testé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En gros, oui, c'est mon fils. Et aussitôt, Dieu lui-même, par son Esprit, a envoyé Jésus-Christ dans le désert. Il a passé 40 jours dans le désert à être éprouvé.
40 jours difficiles pour l'homme. 40 jours où il devait rester fidèle. Et au bout des 40 jours, avec son père, dans la prière, il a eu faim. Souvent, ça commence à faire des bruits. Et après 40 jours, je pense que ça fait des bruits depuis longtemps. Mais à 40 jours, là, la faim était à son maximum. Et là, Satan vient le voir. Satan lui dit, mais tu es le fils de Dieu. N'est-il pas écrit, du moins, non, même pas n'est-il pas écrit, tu es fils de Dieu. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Tu as le pouvoir. Et Jésus, il n'a pas parlé avec Satan pour parler avec Satan. Il lui a dit, il est écrit. Il a pris la parole de son père, les révélations pour dire à l'ennemi qui voulait le perdre, il est écrit. Lorsqu'il a dit ça, Satan lui a dit, ok, d'accord. Il l'a emmené sur, en haut du temple. Il lui a dit, mais saute, t'inquiète pas. Il est écrit que, maintenant, il prend la parole, il est écrit quelque chose. T'inquiète pas, les gens te porteront sur les mains pour que tu ne puisses pas toucher contre une pierre. En gros, Dieu va te sauver, saute. Jésus a répondu, il est écrit, encore une fois. Ne pas tenter le Seigneur ton Dieu. Encore une fois, Satan vient le voir et lui dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, tout ce qu'il y a là, le monde entier, le pouvoir sur l'humanité, je te le donnerai. Et là, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et il est écrit encore une fois, que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Chers amis, quand on lit la parole de Dieu, quand on cherche Dieu, c'est compliqué parce que le monde dans lequel on est ne veut pas nous laisser en paix. On aura des moments où on va se dire, mais non, laisse ça tomber, ce n'est pas pour moi l'évangile. Ce n'est pas pour moi. Mais rappelle-toi qu'il est écrit que c'est pour toi. Rappelle-toi qu'il est écrit que Dieu veut se révéler à toi. Toutes les fois où tu verras qu'il y a une opposition, une lutte dans l'invisible, tu ne sais pas d'où elle vient, souviens-toi, il est écrit quelque chose pour toi. Et pour savoir ce qui est écrit, tu dois le lire, bien sûr. Alors ce soir, nous nous arrêtons là et j'aimerais vous inviter à ne pas quitter ce lieu comme cela. Quittez ce lieu avec la conviction que Dieu a un message pour vous. Quittez ce lieu avec la conviction que si vous ouvrez ce livre ce soir, Dieu va vous accompagner. Il n'y a rien de difficile. Dieu l'a mis à portée d'homme. Il est dit qu'un petit enfant même peut marcher dans les voies de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est l'amour en réalité. Donc, je vous invite à revenir demain soir. Nous allons découvrir plus en profondeur ce qui est révélé encore dans la parole de Dieu. Et aussi, ce que soir, invitez aussi vos amis, vos familles, vos voisins à en parler. Encore une fois, chers amis, humblement, hein, moi, mais aussi toute l'Église, tous ceux qui sont présents, ceux que vous invitez, nous croyons que Dieu a tout pouvoir. Nous croyons que Dieu est celui qui seul peut convaincre. Mon objectif n'est pas de vous convaincre, juste de vous montrer ce qui est écrit. Et l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, fera le travail dans votre cœur. Alors que Dieu vous bénisse, et j'aimerais ensemble qu'on puisse se lever. Et je ferai une prière pour que Dieu puisse nous aider en quittant ce lieu, à être motivé pour lire au moins un verset. Et après cela, nous allons chanter notre chantem. Notre Père, notre Dieu, en ce soir, tu nous as parlé. Ta parole, mon Dieu, est la vérité. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous conduire dans cette vérité. Que peux-tu nous donner la force de pouvoir ouvrir ta parole et l'étudier. Et nous laisser, Père, convaincre, corriger, instruire. Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, retire-nous des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Nous avons beaucoup de questions, nous sommes dans le flou, dans le doute, c'est normal, Seigneur. Convainc-nous alors, montre-nous la voie, que ta lumière, mon Dieu, soit dans nos yeux, dans notre cœur. Et que, Père, cette vérité qu'on va recevoir par toi puisse changer notre vie. Bénis, mon Dieu, nos amis, ceux qui ont regardé sur le live, mon Dieu, ceux qui voudront revenir encore, ceux qui vont inviter, mon Dieu, leur famille. Bénis, mon Dieu, tous les foyers que nous représentons ici. Et qu'au sortir de ce lieu, Seigneur mon Dieu, nous puissions avoir la paix dans le cœur. Nous avons prié, non que nous soyons dignes, mais en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Gardons notre position. Nous allons ensemble entonner notre chantelle.
Pardonnez-moi, Jésus, le Sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur atterré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Qu'est tout l'homme et à demain si Dieu veut. Seigneur, reçois notre prière.